Même aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous prévenir direct, je ne fais pas beaucoup de blabla parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. J'ai un appareil photo, mais j'ai perdu le chargeur, donc pour mon anniversaire, je demandais à ce qu'on me le refasse. Et donc, dans environ 2-3 mois, j'aurai le chargeur peut-être, si jamais je faisais ça, j'ai que mes parents veulent bien me l'acheter. Sinon, on verra, je ferai avec ce que j'aurai. Peut-être que je vais m'acheter une carte mémoire ou des trucs comme ça. Je verrai en fonction de mes besoins. Donc tout d'abord, je vais vous présenter comment, où est-ce que je range et comment c'est organisé. Donc là, nous avons le tapis de sel qui est perdu là. Voilà. Nous avons ma boîte que j'amène tout le temps dans ce tracastre. Ma boîte dans laquelle, par exemple, là, en ce moment, je me mets tout d'été dont je me sers pas. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Et ma bombe. On va commencer par ma bombe. Donc ma bombe est une bombe Sierra, donc elle se présente comme ceci, donc avec une grande ouverture. Franchement, je la trouve super, mais malgré toutes les ouvertures, je trouve qu'elle n'est pas vachement aérée. Elle a trois ouvertures, mais je crois qu'il y en a une ou deux qui doivent être bouchées, parce que je transpire vachement dedans, peut-être que c'est moi qui transpire beaucoup. Ce qui est super, c'est que là, on peut détacher. Non, on va détacher. Et je peux détacher parce que ça scratch, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je peux le laver. Ensuite, j'ai une boîte d'équitation, bien sûr, hein. J'ai une vieille boîte dont je ne me sers plus parce qu'il y a un cheval qui l'a cassé. Celui-là, là, il a été cassé. Bon, celui-là, il marche, mais voilà. Il y a un petit truc pour mettre le clou, donc c'est une tira. Et donc là, j'ai un curpi. En fait, j'avais perdu l'autre. Je l'ai retrouvé après l'avoir acheté. Je le laisse ça là parce que j'aime bien. Ça permet de suspendre des trucs comme ça. Voilà, donc je fous que ça. Le sable, donc là, vous devez l'avoir bleu clair, mais bleu foncé. Vous montrer, mais voilà, il avait plus foncé quand même. Mais bon, voilà. Là, j'ai une grosse touche donc qui était trop douce, donc je m'en sers plutôt pour illustrer. Mais là, en ce moment, je m'en sers pas. Je crois que c'est des vrais poils. Une paire de vieux gants dont je me sers pratiquement pas parce que, un, ils sont petits, deux, voilà, ils sont chauds et ils drapent justement. Et de l'anti-mouche fait maison, donc je ne manque pas mon nom, mon prénom. Anti-mouche maison, bon, c'est un truc d'ultra doux. Voilà. Voilà. Et en dessous, j'ai mes guêtres noires de chez Fugenza. Alors, désolé, si il y a ma voix qui est un peu bizarre. Alors, ça me fait ça dans toutes les vidéos. Ça m'énerve d'ailleurs parce que j'ai bouilli. On est juste une fille de 2 ans, mais à part ça, voilà. Donc, désolé, je ne vais pas pouvoir vous montrer ma dernière vidéo parce que je n'ai pas cette place. Enfin, ma dernière boîte, donc je vous montrerai une autre fois. Ciao!